Et je tiens à vous dire que vous avez choisi un thème très 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 intéressant. Ça fait un bon moment que je vais dans plusieurs conférences et ce thème-là, on en parlait, c'est vraiment un thème très intéressant parce que il vous permet de mettre en avant beaucoup de choses. En fait, l'échec, c'est pas vraiment l'échec. L'échec, ce sont des difficultés par lesquelles on passe. Mais Anna, je voudrais essayer de vous parler sur deux aspects. Je vais parler du corps après, mais d'abord, je voudrais vous dire que aujourd'hui, notre état d'esprit à nous, en tant que Tunisiens, il doit changer. On a un état d'esprit qui nous mène, qui nous donne plus de chances d'aller vers l'échec. C'est cette culture qu'on a, c'est la culture de ce que j'appelle le bashing. Ça veut dire qu'on passe notre temps à essayer de dévaloriser les choses, à essayer de dévaloriser ce que l'on fait, à essayer de dévaloriser notre pays, à tout dévaloriser. Alors, t'es sur la Facebook pour le Mosquinatos, Tranaferit, etc., etc. Et vous savez tous qu'on est 90%, 95% à le faire. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences et de l'impact de ces choses-là. On met des photos de choses nulles, où on dit si c'est ça la sécurité, etc. On oublie qu'on a sur Facebook des amis français, des amis allemands, des amis étrangers, et que ces amis-là vont voir les posts qu'on fait. Et donc, on n'a pas conscience que finalement, on va avoir un impact qui est même un impact sur l'économie nationale de notre pays. Et à ce moment-là, si on réfléchit deux fois, on finit par nous dire que les responsables de l'échec vers lequel nous sommes entre guillemets en train d'aller, alors que moi je ne crois pas du tout qu'on est en train d'aller vers l'échec, au contraire, moi je suis très optimiste, finalement on se rend compte qu'on fait partie des responsables, qu'on a une responsabilité dans tout ça, et ça nous permet de réfléchir sur notre mentalité, sur notre état d'esprit à nous, et de nous dire finalement, il faudrait qu'on arrête de toujours remettre la faute sur les autres, de dire que c'est la faute de Heda, de Heda, de Heda, et de se dire nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Alors il y a des problèmes, il y a des critiques à faire sur notre pays, on est d'accord, mais il faut qu'on apprenne à enchaîner les critiques et les problèmes de manière constructive en ayant des propositions derrière. Et on n'est pas des spécialistes de la proposition, on est des spécialistes de la destruction, mais on ne sait pas construire derrière. Et à mon avis, il serait temps déjà que si on commence à changer cet état d'esprit-là, si vous devenez tous des multiplicateurs, si vous partagez déjà ce que je pense et que vous pensez qu'il faut changer d'état d'esprit, il faut qu'on devienne tous des multiplicateurs parce que chaque action qui va être faite par chacun de nous va finir par nous donner plus de chances d'éviter l'échec d'aller narcoaler en général. Maintenant, l'échec, il est inévitable. Par exemple, maintenant, si je parle de corps, mais c'est ma deuxième partie, le corps, c'est le centre d'orientation et de reconversion professionnelle. Et l'objectif du corps, c'était vraiment de faire un constat qu'aujourd'hui, l'emploi en Tunisie, il y a un gros problème. Pourquoi est-ce qu'on a autant de chômeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a 88 000 postes qui ne trouvent pas de profil, qui ne trouvent personne? Qui ont un investissement étranger, l'investissement cool. Et pourquoi est-ce qu'on a 88 000 postes à qui on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes? Donc nous, on s'est posé cette question-là. On s'est dit, viens, on s'occupe déjà des postes qui sont libres et qui n'arrivent pas à être occupés. Donc c'est par là qu'on a essayé de trouver, de proposer des nouvelles solutions. Parmi ces solutions-là, l'idée de la reconversion et l'idée de l'employabilité, de dire, je préfère un stade. Donc je préfère l'intégrer les outils pour que tu deviennes employable et après tu te débrouilles parce que tu dois aussi à prendre tes responsabilités. Et quand je te donne tous ces outils-là, eh ben, tu vas te débrouiller pour aller trouver un travail. Bien sûr qu'on cherche le travail derrière, mais on ne lui dit pas pour que lui aussi il apprenne à faire ça et à devenir plus responsable. Maintenant, quand l'idée est venue, c'est la plus grande difficulté. Quand on a une idée comme ça, quand on a envie de la mettre en place, et bien l'idée. Avant de vous parler d'argent, je voudrais peut-être vous parler d'une expérience personnelle. Partez chez Zoulinoscout. Là, je dis, j'aimerais quand même parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue, et j'ai eu cette idée-là pour que vous voyez qu'en fait, on n'arrive pas à directeur, à quelqu'un. C'est pas vrai, on s'est pris, j'imagine, je peux parler pour tout le monde. Personnellement, je me suis pris plein de baffes dans la gueule avant d'arriver au stade où je suis aujourd'hui. Et je m'en prends encore. Il y avait une autre idée qui devait être proposée. Le
CORP, c'est un programme qui est financé par les Allemands, par la coopération allemande. Et on devait proposer un projet aux Allemands, et moi j'avais un chef, on s'en fiche, on va dire un en général, on va pas dire qui c'est bien sûr, j'avais un chef, et ce chef-là, il avait une idée. Mais c'était pas l'idée que je voulais présenter aux Allemands, les Romagenois, dans le Fosse, Chimolo. Donc, j'ai suivi, et ça je vous donne un conseil, dit, vous allez vous faire Kreshpolo, je te donne mon balcha. Vous allez parfois avoir du travail à faire, et quand vous allez faire tout ce travail pendant des heures et des heures, et le chef va prendre tout le travail et va aller le présenter. Mais vous devez vous taire. Vous devez accepter d'être le petit Alton Kliam, Spedrina, vous devez accepter de passer par ce stade-là. Vous devez respecter votre hiérarchie quoi qu'il arrive. Allez, les gens se rendent compte. La hiérarchie de cette hiérarchie-là finit par voir un moment, il sera absent un jour et vous allez le remplacer, vous allez ramener quelque chose et il va voir que c'est le même style d'écriture, il va voir que c'est la même façon, il va savoir que c'est vous un jour ou l'autre. Donc, il y a ce que je veux dire. Quand on a une reconversion, on fait tourner sa femme, je veux dire, on a développé son truc et on est venu un jour pour la grande réunion avec le bailleur de fonds. Et on arrive, et moi je vais voir la direction générale 10 minutes avant, j'ai dit, j'ai fait 5 petits slides moi sur un petit truc, comme ça, ça fera très sérieux, on va présenter le truc pendant 1h30 par mon chef, et puis vous proposez, vous dites, voilà, au cas où on a fait quelque chose de un deuxième plan B, de 5 minutes présentation. Elle a accepté la direction générale. Donc, 1h30 de présentation de mon chef, et à la fin de cette présentation, la direction générale dit, Youssef va vous présenter un petit truc au cas où, voilà, c'est un plan B, parce qu'il faut une alerte d'un vidéo. Et j'ai fait 5 slides, et j'ai eu 5 minutes pour dire, voilà, on fait ça, 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 ça. Et là, la coopération allemande, c'est ça que je veux, j'adore. Alors, je ne vous raconte pas la tête de mon chef, qui est devenu tout blond, tout bleu, tout jaune, mais l'autre a dit, c'est ça que j'adore, c'est ça que je veux, développez-moi ça. Et c'est pour vous donner, il y a une manière d'arriver à atteindre ce qu'on veut avoir. Si vous allez dire, pour qui tu te prends au col, vous n'allez jamais arriver à rien du tout. Et là, on a dit, on développe. Et j'ai développé. Et elle est partie tout présenter à chaque fois. C'est pas grave, Michel, j'ai elle présenté à la coopération, et moi j'étais derrière le petit soldat qui développait. Mais j'étais en train de développer mon rêve, ce que je voulais faire pour mon pays, j'étais sûr que ça allait avoir des résultats, et j'étais sûr que ce rêve-là, il allait avoir 1,5 million d'euros après à la fin pour pouvoir le financer. Donc, juste pour que vous compreniez qu'à la fin, il y a eu un grand oral de tous les grands projets pour sélectionner les 10 meilleurs sur 100 dans Kadesh, et que le grand oral, mon chef est venu, le PowerPoint, et moi derrière la gauche avec l'ordinateur, enfin, tac, les slides. C'était mon projet, c'était mon bébé, et j'étais en train de changer les slides, et mon chef qui présentait tout devant mon des jurys, ils allaient voter et tout. Et je me suis tué jusqu'au jour où le projet a commencé, et que mon chef a démissionné une semaine avant. Donc vous voyez, et j'ai repris le projet, et j'ai été nommé chef de projet, et on a mis en place tout un projet, je ne vais pas voilà parce qu'il y a encore des échecs, mais sinon on ne va jamais s'arrêter. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a ouvert quelque chose qui a 10 employés, qui s'appelle le CORP, qui est au cœur de Tunis, qui fait travailler 10 personnes et qui a réussi à placer 79 personnes depuis 6 mois à travers la reconversion, qui a orienté plus de 1100 ou 1200 jeunes, qui leur a permis de savoir faire un CV, des soft skills, l'entretien, qui a fait des conférences partout pour un peu sensibiliser les jeunes dans 80 conférences. Donc, juste vous dire, Rahou, soyez patient. On a un gros problème. Fitons Mazoubin, Haboun, direct de au chef, Haboun al-Kouachramne, Haboun al-Rahou, la vie, c'est pas comme ça. On se prend des claques et on doit savoir comment prendre les claques et comment les transformer. Donc voilà, si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, ça serait ça. Après, j'ai beaucoup d'autres échecs à vous raconter quand on aura fini. Merci.